Elle est russe et elle a des gros nichons. Il est tunisien et il aime les gros nichons. C'est pas la première fois qu'elle prenait l'avion. C'est la première rencontre avec la passion. Elle est partie pour 3 semaines en Tunisie avec son chien chihuahua et sa cousine. Siroter des jus de fruits dans jacuzzi. Que demander de plus à part un zizi? Ah ça tombe bien, tiens, en parlant de zizi, le jeune et beau barman s'appelle Farid. Il travaille là vu que c'est l'hôtel de son oncle. Mais il voulait aller étudier à Madrid. Il voulait aller étudier à Madrid. Mais pas possible à cause de Vichy pirate. Tant pis, va falloir rester chez la famille et continuer à dealer avec Bilal. Elle demande à Farid s'il connaît le désert. Il lui répond oui. La drague pendant des heures et il l'amène en quad. Puis mettre des wads, il l'amène en quad. Puis mettre des wads, il l'amène en quad. Puis mettre des wads, il l'amène en quad. Puis mettre des wads. Lui c'est Léon et il aime les gros nichons. Le problème c'est qu'il a jamais touché de nichon. Il a une grosse réputation de cochon. Mais bon, pas étonnant venant d'un breton. Les gens de la ville le prennent pour un sauvage. Juste parce que Léon est fils d'agricucu. Son père a une ferme, il produit du fromage. Et la plus jeune de ses chefs s'appelle Lulu. Ah tiens, en parlant de la fameuse Lulu, Léon a toujours aimé lui faire mumuse. Il a l'habitude de la voir la nuit venue. Pas pour aller juste lui dire salut salut. Son père a bien sûr tenté de lui interdire. Léon a passé des nuits dans sa chambre punie. Mais ça ne lui a pas permis de réfléchir. Il aime toujours autant lui faire des... Elle demande à Léon s'il connaît la cambrousse. Il lui répond oui. Viens là que je t'amène en douce. Et il l'amène en quad. Lui mettre des wads. Il l'amène en quad. Lui mettre des wads. Il l'amène en quad. Lui mettre des wads. Il l'amène en quad. Lui mettre des wads, 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 il l'amène en quad. Lui mettre des wads.